Écho des partis politiques dans cette édition du journal. Comme tous les jeudis, les militants et militantes du parti politique Ardev étaient à l'école politique. Les membres de la fédération Okatanga des Ardev, parti cher à Jacques Aboula à Katoué, ont été formés sur l'idéologie du parti, mais aussi sensibilisés sur les efforts à canaliser pour la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi en décembre prochain. Billy Bitota, adjointe, a assisté et animé l'école au nom du secrétaire fédéral David Dopé. John Zati nous en dit plus. Chaque semaine, une messe politique à l'Ardev, fédération du Haut-Katanga, dans une ambiance particulière et animée de ses membres en bleu-blanc. Le parti de Jacques Kaboula Katué vit et se confirme de plus en plus sur le terrain. Cette formation politique réunit ses membres autour des valeurs. Au nom du secrétaire fédéral, David Daouté Katué empêché, son adjointe, Billy Bitota, conduit l'école politique de ce jour. Après le rappel de l'idéologie du parti, le socialisme dans la démocratie plurielle, chez Ardev, tout le monde a sa place. Ce parti politique veut rompre avec toutes sortes d'antivaleurs pour amener la République démocratique du Congo au vrai développement. L'adjointe au secrétaire fédéral l'a signifié à tout le monde. Billy Bitota a invité tous les membres de l'ARDEV à continuer à se mobiliser, à coaliser toutes leurs forces derrière leur président national et autorité morale, Jacques Kaboula Katué, pour faire réélire Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'élection de décembre prochain. ARDEV vit, ARDEV est là. Ainsi, nous disons que nous sommes du bon côté de l'histoire et tout dans ARDEV est possible parce que nous appuyons la vision du chef de l'État, Fatshi Betong, qui est le peuple d'abord. Et nous sommes derrière sa candidature parce que nous n'avons qu'un seul candidat au niveau de la présidence, c'est Fatshi Betong ou rien. L'action pour la rupture et le développement, ARDEV en sigle, continue à recevoir des nouveaux membres chaque jour qui passe. Ce parti est genré, la femme y a voix au chapitre. La valeur dont la femme a, elle veut vraiment c'est que toutes les personnes, sans tenir compte des sexes, tout ce qu'elles ont comme des valeurs puissent être mettre à l'air nu pour que les gens puissent savoir qu'ici à l'ARDEV, nous tenons compte aussi de la parité. Il y a l'équilibre dans tout ce que nous sommes en train de faire. C'est par la présentation des activités de différentes structures de l'ARDEV que l'école politique de ce jour s'est clôturée.